Tambrakata. Qui ont là-bas 3000 vues, 4000 vues, ils me valent en quoi? Moi, la présidente de la team des USA, ils me valent en quoi? BG Cheryl, bonsoir à toi, mon chéri. Je déclare les bisous. Hein? Vous avez là-bas 2000 vues. Vous avez là-bas 3000 vues. Vous avez là-bas 4000 vues. Mais vous ne me valez en rien. Faites les réunions bracata. Ok? Faites les réunions bracata avec qui vous voulez. Appelez tous vos histoires que vous dites que les quoi là. Que, oh, ne partez plus dans les lives. Ne partez plus donner les vues. Les vues ne touchent en rien mes vrais followers qui me saignent les dos. Ça ne touche en rien. Mes vues, les vues n'importe en rien mes affaires que je fais au Cameroun. Mes vues n'importe en rien la vente de mes macabous, manioc, foufou, sac de maïs. Je les livre en sac. Ok? Tous les jours que j'ai, Dieu a créé. Et c'est les followers de Facebook. Je fais le commerce virtuel. Je fais le commerce sur Facebook. Ok? Les gens qui ont besoin que leur famille mange au Cameroun n'ont rien à cirer avec le Congo, ça de Facebook. Est-ce que le volume est bon? Ils n'ont rien à cirer avec le Congo, ça de Facebook. Parce qu'ils ont compris que... Écoutez, je vais vous dire. Ils ont compris que... Vous êtes une bande de n'importe quoi qui avait passé le temps à attirer les gens dans les haines. Qui n'ont ni tête ni queue. Vous avez passé le temps à attirer les gens dans les haines. Qui n'ont ni tête ni queue. Vous attirez les gens quand ça vous convient. Quand ça ne vous convient pas, vous changez sans tenir compte de ce que vous avez tiré dans l'abîme. Les gens ne sont plus là par rapport à vos bêtises. Et depuis que vous faites ça, vos vies sont dans la précarité. Oh, ne partez plus là-bas donner les vues. Ne partez plus là-bas donner les vieilles femmes que les vies sont encore en téléchargement. Qui sont encore au niveau des vues de Facebook. Pendant que les conteneurs de Nga font les affaires. Pendant que les conteneurs de Nga réfléchissent qu'on va faire comment pour multiplier les chiffres. Pendant que les conteneurs de Nga sont en train de mettre les 7 hectares de manioc au sol. D'autres viennent déjà sur Facebook. Ne partez plus donner les vues dans leur vie encore. À la cinquantaine, bien sonnée, sont encore au niveau des vues. À discuter les vues de Facebook. Mais je vous pleure, moi. Moi, je pleure toute cette vieille peau-là. Je vous pleure. La vie, le monde est en train d'évoluer à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Pendant que les gens sont en train d'avancer, vous êtes au niveau des vues. En train de dire, oh, ne partez pas donner les vues là-bas. Non, restez ici, restez chez vous, ne partez pas donner les vues. Arrêtez de donner les vues là-bas. Qu'est-ce que moi, Dorcas, j'ai quoi foutre? Hein? Prenez ça. J'ai dit... Prenez ça. Tchao soisin, comme Sidonie a dit. Maman tchao soisin. Prenez. Ça vous descend. Je suis citoyenne américaine. Ok? Les vieilles peaux qui sont encore au niveau que les vues. Ne partez plus là-bas donner les vues. Ne partez plus donner là-bas les vues. Hein? Les abeilles et les manières. Ne partez plus donner les vieilles peaux qui ont encore les vues en chantier. Vous n'êtes pas là qui? Hé, hey, les vieilles peaux là sont déjà venues voler. Mon citizenship, hein? Je suis américaine, ok? Je suis américaine. I'm a US citizen, ok? Je suis américaine. Ok? Allez jouer à ce genre de jeu avec ceux qui sont dans la même cour que vous. Vous et moi, nous ne sommes pas dans la même cour. Écoutez ce que je vous dis. Vous et moi, nous ne sommes pas dans la même cour. Vous, ces vieilles pauvres, ces vieilles gentres, ces ingrates de la basse classe, ok, que j'ai eu
à venir soutenir sur Facebook. Vous avez compris? Aujourd'hui là, vous n'allez plus faire la pluie et le beau temps sur Facebook. Le respect va s'imposer. Aujourd'hui là, on ne pleure pas sur Meta et personne ne va pleurer sur Meta. J'ai une longueur d'avance. La seule personne sur Facebook qui peut me challenge, qui peut parler, parle. Fleur de Lune. Vous avez compris avec quoi? La seule personne sur Facebook qui peut me challenge, on dit que blogueuse camerounaise, qu'on retire le blog, on part dans la vie réelle. La seule personne qui peut me challenge sur Facebook, qui peut parler, je m'assois un peu, j'écoute, j'ai toujours dit ça. Ce n'est que Flor. Vous avez compris avec quoi? Ce n'est que Flor de Lille. En dehors de Flor de Lille, le reste là, c'est la racaille. Allez dire que c'est moi qui ai dit. C'est la racaille. C'est les pète-pète. C'est les pète-pète. On me clash en parabole, je clash en parabole. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Suzy Chimi, la team des USA représentée. Elle dit que l'immigration camerounaise me cherche parce que je suis illégale au Cameroun. Entre l'immigration camerounaise et l'immigration américaine, quelle est puissante? Suzy, tu connais quand même ça, ma chérie. Toi-même, tu es citizen des USA. Hein? Tu es citizen des USA, Suzy. Voilà. Je n'ai pas besoin de marcher avec le passeport. Je marche avec ça. Hein? C'est pas la green card. Hein? C'est pas la green card. Ok? C'est le passeport. Passeport card. C'est moi, hein? Regardez. C'est moi, regardez-moi. C'est moi. Les conneries. Et les pâtés, puis donner les vues. Les vieilles femmes. Qu'au lieu de réfléchir, qu'elles vont faire comment pour sortir du trou à rat qu'elles se trouvent. Et bagarre. Les pâtés, puis donner les vues là-bas. Les pâtés, puis donner les vues là-bas. Hein? Et les pâtés, puis vous allez leur faire comment? Ils sont à la fenêtre accrochés comme ça. On vous dit de rester chez vous. Restez chez vous. Quittez de ma fenêtre, vous, ces vieilles peaux-là. Ces baleines-là, quittez de ma fenêtre. Je vous ai bloqué au moins 500. Je sais que vous avez au moins les quatre faux profils. Vous êtes accrochés comme ça, là, sur les fenêtres. Quittez! Quittez sur la fenêtre. Pardon, la team des USA, tapez-la à la fenêtre, ils n'ont qu'à tomber. Frappez la tête à la fenêtre. Qui quitte sur votre fenêtre? On les a demandé de rester chez eux. La team des USA, vous-même, vous ne faites pas votre travail. Commencez à aller verser l'eau chaude. Haut-parleur, c'est encore qui, non? On me dit que haut-parleur veut participer. Ça, c'est encore qui que le haut-parleur? Ha! Quelqu'un dit que ça donne l'argent, les papiers. Ça, là, c'est les millions de dollars. Ça. Il y a quelqu'un qui vient commenter que les papiers, là, donnent l'argent. Ça, c'est les millions de dollars. Si tu vis au Cameroun, tu veux être citoyen américain, c'est 250 millions l'Amérique te donne. Donc ça là, c'est une valeur de 250 millions. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Je suis là, je suis foiré. Demain matin, j'entre dans l'avion USA. Je travaille 2 mois, j'attrape les millions, je viens m'asseoir au Cameroun, je mange. Nous ne sommes pas pareils. La seule chose qui peut m'empêcher de jouir de la vie, c'est la mort. Le jour que la mort me prend. Mais tant que je suis vivant. Ça. Ah, c'est Afam le haut-parleur. Est-ce qu'elle connaissait? Je ne connaissais pas que c'était Afam. Afam envoie la demain. C'est moi qui connaissais alors que haut-parleur, c'est Afam. Ha! Oh, les faux profils, de ces cancans, non. Hein? Afam envoie la demain. Je te prends. Hein? Ngeo! Moi, je vois les vieilles jantra. Les vieilles drames. Les pâtés puis donner les vues là-bas. 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 Pendant que nous, on est là en train de braser l'argent dans les champs. En train de cultiver le macabre, le manioc. Les vieilles drames, de toute façon, sur Facebook. À bagarrer pour les vues. Les pâtés puis donner les vues. Les pâtés puis. Mais peut-être les 300, les 400 personnes qui sont connectées là. Pardon, venez commander le macabre et le manioc. Pardon. Livraison de ça. N'oubliez pas de commander vos macabos et vos maniocs.
Ok? C'est aussi une façon de me soutenir. Sylvie Mbakop, Sylvie, maman, j'ai fait ton atalakou jusqu'à. J'ai dit que Sylvie, là, maman, le fort profil le plus recherché, Sylvie Mbakop. Vous prenez quoi à mon ministre des Finances? Vous prenez quoi à Sylvie Mbakop? Hein? Vous prenez quoi? Est-ce que moi, je harcèle vos followers? Je harcèle vos followers. Vous avez dit que la team de trois personnes, nous, on a accepté. Corinne, bienvenue. La team de USA. Vous avez dit que nous sommes une team de trois personnes. Nous, on n'a pas accepté. On a accepté. Marc Larose, c'est comment ma coach? Je te claque les bisous. Hein? On n'a pas accepté. Vous cherchez quoi derrière mes followers? Restez avec vos millions de followers. Laissez-moi avec mes trois membres de ma team, maman. Nous sommes trois, mais on est en train de terrasser tout Facebook. Maman, je suis devenue patronne. Je ne parle plus. J'ai les gens qui mettent les caméras pour parler. Ils font les bas 8 heures de live. Ils parlent. Moi, je ne parle pas. Ok? Et je ne suis pas là pour aller entrer en guerre avec eux. Pourquoi vous avez dit ceci dans le live? Jamais. Chacun est libre de faire son blogging comme il pense. Je ne les dicte pas les lignes éditoriales. Non. Je suis responsable de ce que je parle. Je ne les dicte pas les lignes éditoriales. En même temps, je ne les réunis pas. Parce que vous avez vos followers. Vous avez vos généraux qui font le sale. Vous êtes avec eux tous les jours. Hein? Voilà le pasteur ronflé, ronflé. Le pasteur le plus ronfle, ronfle de la toile camerounaise. Le pasteur poum poum. Maman, le poum poum de ça. Hey! Non seulement c'est là les dents pourries à la bouche, maman. Et il pète. Quelle femme peut supporter un homme comme ça? Non seulement ça, tu n'as même pas une bonne haleine. Tu as les dents pourries à la bouche. Et c'est toi qui pètes encore et tu ronfles. Seigneur. Sinon, tu peux supporter un homme comme ça? Jamais. Non seulement ça, ses dents sont pourries. Et il pète à quoi? Et il ronfle toute la nuit, Sido. Yes. Maman. Mais ça, c'est très grave. Mazalo. Mieux tu gardes tes dents pourries, au moins tu ne pètes pas la nuit, tu ne ronfles pas. Mais s'il faut avoir les dents pourries, tu pètes et tu ronfles, mais ça, c'est la catastrophe. Je comprends pourquoi tu squattes chez ta mère depuis des années. Même jouer le gigolo chez une femme, tu ne peux pas. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi tu t'acharnes sur les femmes. Mais Jean, à partir d'aujourd'hui, laissez le fou là où il est. Vous pouvez comprendre à suffisance pourquoi il s'acharne sur les femmes. Il s'acharne sur les femmes parce qu'il ne peut pas garder une femme. Il s'acharne sur les femmes parce qu'il ne peut pas avoir une femme à lui. Non seulement ça, il a les dents pourries à la bouche et il ronfle, il poum poum. Toute la nuit, pata 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 pata, poum poum. Maman, les poum poum de ça. Les poum poum de ça. Il pète. Maman, quand moi-même j'ai entendu ça, j'ai dit waouh. Maman, j'ai dit waouh. Non, mais dans la vie, tu ne peux pas avoir tous les défauts. Tu ne peux pas avoir tous les défauts. Tu ne peux pas avoir les dents tout pourries à la bouche. Et c'est toi en même temps qui pètes toute la nuit et tu ronfles. Voilà, attends. J'ai vu quelqu'un là qui doit bloquer. Attendez, mes gens. Il y a où c'est qui là? Je dois le bloquer. Alors, voilà. J'ai déjà bloqué beaucoup. Ils n'ont qu'à aller se voir ailleurs. J'ai beaucoup bloqué. Voilà. Hein? Boum, maman, poum, poum, l'om, poum, poum de ça. Maman. Un péteur comme ça, là. Dis-moi avec qui tu manges, je te dirai que tu es. Que des rates, une bande de rates. Personne pour tirer l'oreille des autres, de l'eau. Personne comme ça pour dire que voilà. Hein? Personne dans leur team qui peut dire que oui, je suis personne. Personne que des ratés pro max. Viens voir les pleurs de ça. Vous qui avez réussi, vous me dépassez en quoi? Vous qui avez réussi, vous me dépassez en quoi? Viens les voir. Allez chercher vos vies. Il ne se fait pas tard, pardon. Quittez devant les gens. Allez vous chercher vos vies. Sylvie Mbakop, 5000 étoiles. Maman, elle va me lever dedans. Pardon, attends, quitte en route. L'estambra catalan. Vous avez crié mon nom toute la semaine, je n'étais pas là.
Montrez vos étoiles que vos stars vous ont envoyées. Montrez vos étoiles. Depuis une semaine que vous criez là, que vous chantez mon nom partout, partout. J'ai regardé vos lives. Même Pigini, on ne vous a pas donné. Même Tanga là, mais un, je n'ai pas vu. Moi, je ne fais pas live tous les jours, mais quand elle vient là, je sors avec ma part. Voilà 5000 étoiles sur le tableau. Qui dit mieux? Montrez pour vous, j'ai regardé tous vos lives. Même Tanga là, on ne vous a pas donné. J'ai dit même Pigini, on ne vous a pas donné. On vous a donné quoi? Vous êtes les sitars. Vous êtes les sitars. Les petites colboxeuses que vous avez ramassées partout au Cameroun. Là, pour venir envahir Facebook. Pour donner l'impression aux gens que vous avez les followers. Moi, j'ai les viands. J'ai les... Oh, maman. Oh, la team de USO. Oh, la team de USO. Oh, les étoiles de sang. Ils savent que maman Dorcas au Cameroun. Maman Dorcas a besoin de l'argent là. Maman, les étoiles ne font que monter. Voilà les étoiles qui montent. Vous allez faire quoi? Voilà les étoiles qui montent. Maman, ça ne fait que monter. Pompez ça pour fermer la bouche aux conneries. Il veut parler de moi. Hein? La team gagnante. Chez nous, tout le monde travaille. Voilà les étoiles, maman. Je suis à presque 6300 étoiles. Voilà ça. Devant vous. Devant vous. Toute la semaine-ci, vos followers vous ont donné quoi? Venez montrer, on va voir. Vos followers vous ont donné quoi? Te rejoins. Vous avez eu les bas 2000 personnes connectées. Les bas 3000 personnes connectées. On vous a donné quoi? Tandé la Bigin. Vous n'avez pas eu. Même Tandé la, vous n'avez pas eu. J'ai regardé tous vos lives. Vous n'avez pas eu. Vous n'avez pas eu, voilà les étoiles qui montent, bientôt 7000. Voilà 7000 étoiles. Hein? Voilà ça, le compte est là. Ça monte. Voilà ça, c'est en train de monter devant vous. Vous venez parler à qui? Maman, je suis avec ma team de 3 personnes. Vous avez compris avec quoi? Foutez-vous ça bien dans vos oreilles. Mettez ça où je pense. Je suis avec ma team. Je ne suis pas une racoleuse. Ok? Qu'à la première occasion, vous abandonnez vos followers. Parce que vous partez là où on peut vous donner un tandé là. Vous partez là où on peut vous dire que non, on vous aime. Vous partez là où non. Vous voulez parler à qui? Voilà les étoiles, 7000 étoiles. 7000. C'est bien dosé. Voilà 7000 étoiles sur le compteur. Hein? Sortez pour vous, je vais voir que vos followers vous ont donné. Depuis que toute cette semaine-ci, sortez. Même la semaine passée, sortez. Moi, je sors ma part. Je sors ma part. Voilà le compteur devant vous. Voilà ça, c'est là où on dit que les vrais followers. Hein? Vous voulez sous-estimer la team de USC. Vous n'allez jamais nous rabaisser. Si vous voulez, dites que nous sommes la team de 2 personnes. Mais on vous terrasse. Ce qui est sûr, c'est ça. Quand la team de USA passe, vous tremblez comme ça. Là. Vous entrez en transe. Ce qui est sûr, c'est que la team de USA est là. Même si moi, Dorcas, je quitte de Facebook, ce qui est sûr, c'est que la team de USA est déjà présente dans le blogging camerounais. Et on n'a pas l'intention de quitter. Ok? Et nous ne venons pas pour vendre le ndondo. Nous ne sommes pas les vendeuses de ndondo dans notre team. Il n'y a pas les gens qui se connaissent depuis à quoi qu'ils vendaient le piment ensemble. Non! 12 000 étoiles, allez dire. Le compteur, alors, 12 000 étoiles, sinon viens confirmer la Stamania. Viens confirmer. Voilà 12 000 étoiles. Ça fait presque 120 000. Voilà, 12 000 étoiles. Viens voir le compteur. Yes. Qui est star? Qui est star? C'est moi la star. C'est moi la star. Maman, c'est moi la star. Allez, dis. C'est moi la star. C'est là devant vous, c'est visible. La team de 3 personnes, mais la team qui fait parler. La team qui fait quoi?
qui fait parler. Même si je ne suis plus sur Facebook aujourd'hui. Ok? Même si un jour, elle dit que ma team, je suis déjà une vieille poisson fatiguée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une nouvelle génération qui va continuer avec la team des USA. La team des USA, c'est une team qui ne va plus s'éteindre sur Facebook. Que vous voulez, oh, que vous ne voulez pas, oh, nous sommes sur Facebook. On n'a pas l'intention de partir. On va respecter ceux qui nous respectent. On va cheminer avec ceux qui veulent qu'on chemine. Mais ceux qui veulent nous manquer le respect, 13 000 étoiles, et puis ça ne chauffe pas. Merci à toi, Sivin Bakop. Elle dit que ça ne chauffe pas. Voilà, le compte est là. Hein? Nous marcherons avec ceux qui veulent marcher avec nous. Ok? Mais ceux qui veulent piétiner nos pas, nous allons les bombarder. Nous allons tirer sur eux à balles réelles. Et ça va se passer sur Facebook. Vous croyez que vous avez l'art de mépriser les gens? Vous croyez que vous avez l'art de manquer le respect aux gens? On va vous montrer que nous, la team des USA, nous sommes des travailleurs. Nous sommes les travailleurs, ok? Mais on ne se laisse pas faire. On peut descendre dans la boue avec tous ces vendeuses de piments de Facebook qui ont envahi la plateforme camerounaise et croient qu'elles vont faire la pluie et le beau temps. Vous ne pouvez pas faire la pluie et le beau temps. Jamais de la vie. Vous ne pouvez pas faire la pluie et le beau temps. Vous n'allez pas étouffer les gens sur Facebook. On va vous faire barrière. Tous les vendeurs de piments et les bandits à col blanc qui croient que vous allez venir nous écraser sur Facebook. Que vous allez venir nous imposer votre rythme. Quand vous me voyez là, vous pouvez m'imposer moi d'abord. Hein? La présidente de la team des USA. Vous ne pouvez pas nous imposer votre rythme. Détrompez-vous. Vous ne pouvez pas nous imposer votre rythme. Quand vous me voyez d'abord physiquement, j'ai l'air d'une personne qu'on peut imposer. Non. Quand vous dites ma parole, peut-être vous ne prononcez pas, vous ne comprenez pas l'ampleur de ma parole que vous parlez. Mais je suis un homme dans la peau d'une femme. Ok? Je suis un homme dans la peau d'une femme. Donc quand on me voit d'abord, quand tu me croises d'abord en route, tu n'as pas cœur. Tu n'as pas cœur. Donc vous allez nous respecter. On va respecter ceux qui nous respectent. Nous allons respecter ceux qui nous respectent. Ok? Ceux qui ne nous respectent pas, on va dire votre vrai nom sur Facebook. Tant que vous ne prononcez pas nos noms, vous parlez en parabole, je viendrai parler en parabole. On va entrer dans ce qu'on appelle la guerre froide. Ok? On entrera dans la guerre froide. Parce que j'ai trop fait les parodies. D'aucuns croient qu'elles peuvent venir parler en parabole. On va parler en parabole. Et on verra dans cette guerre froide qui sortira vainqueur. Vous savez que moi, je suis un conteneur. Je suis un conteneur. Moi, on ne me terrasse pas sur Facebook. Quand je me sens attaqué, quand je me sens encerclé, j'utilise tous les armes possibles pour sortir ma tête de l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Nous ne sommes pas sur Facebook. Pour les 2000 personnes connectées, non. Nous sommes là pour la qualité du live. Que sait-il de faire un live? Tu as 2000 personnes connectées et tu sors la tête comme ça. Je préfère avoir 400 personnes connectées et avoir 13 000, 20 000 étoiles. Je préfère avoir 200 personnes connectées et sortir avec 5 000 étoiles. C'est ça qui fait le blogging. Le blogging, c'est pas parce que tu viens. Tu as compris? Avec quoi? Donc, vous ne pouvez pas la team des USA. Vous allez vous fatiguer. Déjà que quand je vois vos alliés, c'est les alliés Brakata qui ne peuvent pas la team des USA.
C'est les alliés Mbrakata qui ne peuvent pas la team des USA. Vous ne pouvez pas notre team. Vous n'avez pas le tonnage qu'il faut pour faire une guerre. Vous n'avez pas le tonnage. La voix même n'est pas porteur. Nous avons des gens qui ont la voix qui porte. J'ai vu, vous êtes en train de provoquer une de mes followers tous ces jours-ci. Chilotagne, vous chantez. Christian de Monaco, comment tu vas? L'un des généraux de ma pépé, je te claque les bisous. Voilà. Voilà. Je te claque les bijoux depuis ta position. Voilà. Donc, même, je dis, vous ne pouvez pas. Même, vous êtes en train de vous attaquer à une de mes générales tous ces jours, c'est Chilotagne. Même elle, vous ne pouvez pas. Et quand vous allez la radicaliser, elle va créer une page de framponnement parce que c'est vous qui poussez Mate à créer la page. Mate n'avait jamais eu l'intention de créer une page sur Facebook. Mais c'est vous qui l'avez poussé à créer cette page. Parce que quand elle venait dans vos lives, c'était les insultes, les mépris, les quoi. Et je n'étais pas prête à lui laisser s'exprimer comme elle voulait dans ma page. Parce que j'ai une page professionnelle. Donc c'est vous qui poussez Mate. Vous avez fabriqué Mate vous-même. Vous allez la subir. Vous allez subir Mate. Elle a subi vos manques de respect dans vos pages respectives. Elle a manqué de respect chez Dekoma Mugu. On a manqué de respect chez Père Messang. Messang qu'elle a soutenu. On a manqué le respect chez Lolo. On a manqué le respect. Elle a décidé de créer la page pour vous répondre. Ça n'a rien à voir avec moi. Elle a créé la page. Et parce que quand elle venait d'abord dans vos pages, c'était pour me défendre. Parce qu'elle voyait comment vous étiez en train de me manquer le respect. Et qu'elle voulait s'exprimer, vous l'encerclez dans vos pages. Vous la bloquez dans vos pages pour l'empêcher de parler. Elle a dit que je vais défendre Mama Dorcas. Et je vais défendre mon honneur. Que vous êtes en train de bafouiller partout. Elle a créé sa page. Ok. Elle a pleuré sa page. Aujourd'hui, vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous êtes encore en train de vous attaquer à Chilotagne. Ok? Vous vous attaquez à Chilotagne. Elle est dans la page des USA. En train de faire les choses. Ok? Elle ne vient pas dans vos pages. Elle est dans la page des USA. Donc elle est chez elle, aux États-Unis. Vous la provoquez. Mais quand vous la provoquez comme ça, sachez que c'est une autre adversaire que vous êtes en train de pousser. Et un matin, quand vous allez vous lever, vous allez trouver Chilotagne des USA. Ne vous étonnez pas. Hein. Qu'elle va commencer à mettre ça dans vos côtes les uns après les autres. Ne vous étonnez pas. Aidez-moi bien à fabriquer les généraux hein, de la team des USA. Oui, fabriquez-les. Un matin, vous allez vous lever, Chilotagne des USA. Elle va vous mettre ça sans vaseline là où il faut. Je parle à ce pasteur Ndemso. Et ce pasteur Ndemso, ce pasteur ronfle, ce pasteur poum poum, qui croit qu'il peut s'attaquer à toutes les femmes avec les dents pourries à la bouche. Tout pourri. Je n'ai jamais vu un homme avec les dents aussi pourries. Vous avez combattu Corinne. Vous l'avez combattu. Dit que elle est au Canada. Elle n'est jamais au Canada. Elle vit aux États-Unis, elle est au Maryland. C'est une Américaine. Elle vit aux États-Unis et elle vit au Maryland. Arrêtez de dire que Corinne vit aux États-Unis. Au Canada, elle ne vit pas au Canada. C'est une Américaine, elle vit au Maryland. Ok? Elle vit au Maryland. C'est les femmes qui brasent l'argent. Sylvie Mbako, maman, les étoiles de sang ne font que monter. La team des USA. La team, vous allez faire quoi? Non, les gens que j'ai fabriqués, j'ai pitié de leur blogging aujourd'hui. Ouais, moi, les gens qui ont raté leur vie, qui ont pitié de moi. Mais attendez, je rêve là. Non, mais je rêve moi. Les gens que les vies sont en chantier, ils font les là pour dire qu'ils ont pitié de moi. Oh, j'ai pitié de leur blogging. Les gens que j'ai fabriqués, ayez pitié de vos vies. Pour favor. Mais je vous en prie, ayez pitié de vos vies. N'ayez pas pitié de moi, je vous en prie. La personne qui peut avoir pitié de moi, ce n'est que Dieu. Un être humain ne peut pas avoir pitié de moi.
pas, pour ne même pas parler, ceux qui ont raté leur vie sur Facebook, qui font les lèvres pour dire que j'ai pitié de leur vie. Tu vois même la personne qui dit qu'elle a pitié vraiment de Dieu. Hey, Seigneur. Yeah, Facebook. Yeah, qui m'avait amené sur Facebook, Mate, pardon, laisse écrire Facebook, maman. Oh, laisse écrire Facebook, oh, la nouvelle génération, vous prenez. Pardon, laissez écrire Facebook, vous continuez, pardon, avec la team des US, pardon. Quand je vois les perdus, je dis qu'elles ont pitié de moi. Je dois rire ou je dois pleurer. Hein? Quand je vois les perdus, je dis qu'elles ont pitié de moi, mes gens. Okay. Voilà une personne que j'ai fabriquée. Aujourd'hui, quand je vois son blogging, j'ai pitié d'elle. Ayez pitié de vos vies. Hein? Depuis que vous faites le blogging, là, les vies sont approximatives. Vous avez pitié de la vie de qui? Ma vie, moi? Pour avoir pitié de moi? N'importe quoi. Pitié de vos vies. La team de 3 personnes. Manel, c'est comment tu me boycottes ou quoi? Et tu ne dis, je ne te vois pas. Tu es là comment, Manel? Tu es là, vrai. Ok, Mathia. La team des USA, criez, oh yeah! La team des USA, oh yeah! La team, Tata Sino, même Tata Sino au Cameroun déplace les vieilles Jantra qui parlent de moi là. Même Tata Sino déplace les vieilles peaux qui parlent de moi. Les vieilles peaux là, que les robes là, c'est les terminus. Hein? Hé, hey, maman! Sylvine Bakop est décidée avec moi, avec le blogging. Et vous dites que quoi, la personne qui prononce le nom de mes 3 personnes de ma team, je vous encercle comme ça, même si c'est qui. Allez, concentrez-vous dans vos followers. Laissez mes followers tranquilles. Vous avez vos followers, non? Vous avez demandé à vos followers de rester. Restez chez vous. Quittez à la fenêtre. J'ai dit que quittez à la fenêtre. Quittez à la fenêtre. Bande de tous, quittez à la fenêtre. Poussez les têtes pour qu'ils tombent, dis donc. J'ai dit que Mate, mets ta main, tu pousses les têtes, ils sont à la fenêtre. Ferme les fenêtres, la Mate, pardon. Nous, on ne vend plus, la bière est finie. La bière est finie, partez chez vous. Partez chez vous, laissez-nous en parler nos choses. Notre team de 3 personnes, partez. Partez, laissez-nous, on va parler nos choses. Partez. Partez. Quitte la Mate, ferme les fenêtres. C'est Vimba, comme l'autre bas fenêtre, là, nous, on gère la scène. Ferme les fenêtres, Sylvine Bakop. Ils sont en train de nous guetter. Hein? Les mamies Congosa, les papas Congosa. On vous dit de rester chez vous. Apprenez à rester chez vous. Apprenez à rester chez vous. Restez chez vous. On vous a dit de rester chez vous. Quels sont les enfants têtus comme ça? Restez chez vous. Comme ça, nous, on va mourir de faim. On veut voir ça. On veut voir la faim qu'on va mourir là. On veut voir. Restez chez vous. Vous comprenez avec quoi? Hein? On va vous chasser partout. La veuve joyeuse vous chasse. La reine mère bio vous chasse. Ma pépé vous chasse. Moi, je vous chasse. Vous allez partir où? Restez chez vous une place. On vous a dit ça. Restez chez vous. Les baleines comme ça dans les maisons. Restez chez vous. Les baleines. Fermez toutes les fenêtres, dis donc. La nuit même, il y a tombé. Les moustiques vont entrer à la maison. La team des US, c'est là, fermez toutes les fenêtres. Chassez-les, ils n'ont qu'à aller chez eux, dis donc. On les a déjà chassés partout, comme les pestes. Jusque-là, ils ne comprennent pas. On les chasse comme les malpropres. Ils refusent de comprendre. Vous allez comprendre, Hoha. Et ça ne chauffe pas. Ok? J'aurai toujours mes commandes de Macabo. Vous savez pourquoi j'ai les commandes? Parce que tous ceux, 95% de ceux qui ont commandé chez moi, satisfaction totale. Il y a une petite poignée peut-être de 3-4 personnes que j'ai eu les retours. Mais 95%
quand le colis arrive, les familles crient que merde. Et le retour, c'est que Madokas, merci. Madokas, merci. Celle que j'achemine à Banté, c'est la deuxième fois qu'elle commande. La deuxième fois. Les commandes de ça. Voilà Corinne qui a commandé pour qu'elle livre à Bafoussam. Elle a commandé un sac de macabou, un sac de maïs. Quand ça arrivait, sa mère a mis la main à la tête. Voilà Corinne. Sa mère a mis la main à la tête. Que merde d'Orca. J'ai les gens qui ont commandé au moins 4 fois. Va déposer chez maman. Va déposer chez maman. Il y a une dame que je dépose chez sa maman, Ange Raphaël. Quand ça finit, elle m'appelle. Va ravitailler. Ça finit. Je n'ai pas ravitaillé. Je ravitaille la nourriture partout. Je donne du sourire aux familles. Les gens n'ont plus le temps pour porter les habits. Les gens n'ont plus le temps pour mettre les perruques. On voit certaines personnes, les héritages, c'est les perruques qui sortent les sacs de perruques. Mais voilà les perruques, voilà les perruques. Pendant que nous, on monte les domaines, personne sort le sac. Voilà, la perruque. Hein? La perruque. Hein? La perruque. Voilà la perruque, non? Voilà la perruque. Hein? Voilà, voilà la perruque. Hein? Maman, tout un sac banjo. Eh, Seigneur. Ouais, nous, mais on a mouillé le maillot aussi sur Facebook pour essayer de redorer l'image des gens. Seigneur. On s'est battu quand même, hein. On s'est battu, hein. Quand je vois comment. C'est vrai qu'on peut pas laver le pot, ça c'est vrai. Je vois comment on s'est battu. Hein. Pour rendre l'impossible possible. Venir avec des thèses qui ne tenaient même pas debout, mais parce que nous sommes des stratèges, on a imposé ça dans la mémoire des gens. Et au sortir de là, les mêmes gens partent encore entrer dans la boue dans laquelle on s'est battu 2 ans pour les sortir. Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas laver le porc. Hein. C'est vrai. On est obligé de laisser. En tout cas, on est obligé de laisser. Voilà, le clash dans la classe. Suzy, ce que tu m'avais contacté là, si tu es tout chaud, appelle-moi. Tu comprends, non? Si tu es tout chaud. Voilà notre soeur Suzy qui est représentante d'une marque de produits. Donc, tu m'as contacté. Et la team des USA. Hein? Voilà. Suzy, si tu es toujours chaude pour la publicité et faire connaître tes produits sur le marché. Il faut me contacter. Elle a un magasin à Douala. Elle vend beaucoup. Elle vend perruques, des produits. Elle vend beaucoup de choses. Ok? Donc, c'est ça. Si tu es toujours chaude, tu m'appelles et puis on signe un bon contrat. Ok? On fait ça en beauté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sais que tu m'avais contacté, mais. Comme j'avais d'autres dossiers, donc voilà, je te l'avais dit en tout cas. Donc maintenant, je suis ouverte. Si tu tiens toujours à ce que on fasse connaître tes produits, faut me contacter. Tu avais pété ici, on a dit que c'était. Oh maman, ce n'est pas les pépites d'enregistrement que vous faites là. Pour votre pasteur, poum poum là, maman, c'était en direct le ronflement de sangue, pata pata. Ce n'est pas pour vous là que, quand je suis fait le là, si je pète, là, les gens vont commenter, hey, Madoka, tu as pété, mais personne n'a dit que Madoka, tu as pété. C'est après vous partez faire vos montages à 2 balles. Pour votre pasteur, poum poum là, maman, les commentaires avaient rempli son live. Les commentaires avaient assiégé son live. Ngehe, oh, pasteur dents pourries. Le pasteur qui a les dents comme les ongles d'un creuset de rat. Oh, le voilà qui pète en direct, maman. Les poum poum de ça, les bam poum poum, les poum poum, les maman. Et le ronflement, un homme qui ronfle comme un moteur. Comme un moteur gâté, maman. Si papa m'a si ronflé comme ça, c'est qu'elle fuit le mariage. Je ne peux pas. Je ne peux pas dormir à côté de quelqu'un. Et il pète même. Non, non, non. Pardon. Il faut arrêter ça. Arrêter de nous mélanger à la racaille de Facebook, à la poubelle. Quelqu'un qu'on chasse au travail comme un malpropre. Il part au travail, il demande que tu es venu chercher quoi ici là. Comme un bangando, comme un voleur. Hmm?
Dans la chasse, il force son corps au travail. On te chasse, on te dit ne viens plus. Tu forces ton corps. Le blanc te veut dire que tu es venu chercher quoi ici. Allez, rentre, je ne veux plus de toi dans ma compagnie. On peut chasser quelqu'un comme un malpropre comme ça. On peut chasser quelqu'un comme un malpropre, un maudit. Vous comprenez pourquoi elle est maudite, hein? On avait dit ici là qu'il touchait sa mère. Moi, je suis venu mettre ma caméra pour le défendre. Je regrette pourquoi elle avait défendu. Je regrette ça amèrement. Après, mais quand je revois sa piètre vie. Je dis que non, celui-ci peut être... Non, mais attendez. Attendez. Hein? Va même... Mais il y a même les dentistes là-bas. Ils ont blanchi les dents. Va te faire blanchir les dents. Mais va te faire blanchir les dents. Tu as les dents pourries pour quelqu'un qui vient en Europe. Tout pourri. C'est sûr au Cameroun que tu peux voir les gens avec les dents comme ça. Même à Douala, tu ne peux pas. Même au fin fond de Baranté, les gens savent se brosser les dents. Voir quelqu'un, les dents sont tout pourries à la bouche. Et il veut parler. Il veut parler. Il les vues. Les vues. Vos vues là. Mettez ça où je pense. J'ai dit, mettez ça où je pense. Quand vous faites, vous avez vos vues. Ça me donne quoi? Ça me donne quoi, vos vues? Hein? L'essentiel, c'est que j'ai ma crème de crème. Ok? J'ai un team qui va avec. Ok? Quand je fais les lives, si ce que je recherche, je l'ai. C'est le plus important pour moi. Le reste, là, c'est le virage. Le reste, c'est le mbrakata. Le reste, c'est le fuma. Ok? J'ai été aujourd'hui à près de 400 personnes connectées. Ça me suffit. Ça me suffit largement. Et au sorti de ça, je sais que j'aurai mes commandes de macabo et de maïs. Parce que ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Ok? Les familles veulent manger au Cameroun. Les familles n'ont rien à voir avec vos Congo. Ça, que vous faites sur Facebook là. Les familles n'ont rien à voir avec vous. Vous croyez que si quelqu'un a besoin qu'on donne la nourriture à sa famille, il va venir dire que non, ne donnons pas. Tu sais que Dorcas a clashé Lolo. Tu sais que Dorcas a... S'il te plaît, le nez où tu reçois, DJ Gérard Bell le 18 mai. Aide-nous à communiquer dessus. On ne nous a pas payé. C'est juste pour aider notre frère et notre communauté. Ah bon, DJ Gérard Bell vient. Mais ça, c'est génial, ça. Merde, ça c'est bien. DJ Gérard Ben aux États-Unis. Oh, de Houston. Waouh. C'est à l'occasion de quoi, Suzy? C'est à l'occasion de quoi? Les vacances, n'est-ce pas? Hein? Maman. Voilà quelqu'un qui dit que Pasteur est plus beau que Papa Mars. Maman. Quand toi-même tu dis ça, ça donne comment dans ta tête, entre nous, vrai. Quand tu dis que Pasto, ça donne comment dans ta tête, vrai. Dorian Divine, quand tu dis ça, ça donne bien dans ta tête. Toi-même tu sais, tu n'es pas sérieuse. Karine qui organise. Maman, si Karine veut qu'elle fasse la pub, elle m'appelle. C'est le business. Moi, je croyais que c'était ND. Hein. Je croyais que c'était ND. Mais si c'est Karine, qu'elle me paye. C'est tout. C'est des affaires. C'est Karine Kenye Production. Qu'elle me paye. Qu'elle me paye. Mais les gens me payent, non, Suzy? Tu n'en vois pas les gens qui organisent les trucs à Houston, là. Ils me payent. Les gens me payent. Pourquoi je vais venir faire ça? On ne fait pas la publicité comme ça, maman. Moi, je ne peux pas faire la publicité de quelqu'un gratuit sur Facebook. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes les premiers que quand les gens viennent sur Facebook, oh, tu passes sur Facebook faire quoi? Tu es parti sur Facebook, on m'insulte. On insulte mon père, on insulte ma mère, on insulte mon mari, on insulte mes enfants. Vous êtes derrière, vous cachez vos familles. Vous ne voulez pas qu'on vous insulte. Quand on finit de nous insulter maintenant, vous voulez qu'on vienne vous faire les pubs gratuits. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis désolé. Ce n'est pas que je suis méchante, mais c'est la logique des choses. Je ne peux pas. J'aime bien DJ Gérard Ben. Je croyais que c'était la réunion du nez de Houston, j'allais le faire avec beaucoup de plaisir. Mais si c'est Angèle, c'est les affaires, c'est le business. Donc, si elle me paye, je fais sa pub, ok? Je suis désolé, si elle me paye, je fais sa pub. Si, ce n'est que normal. Déjà, comme insulté sur Facebook, tout le monde s'est moqué de moi. Oh, on a été l'insulter là-bas sur Facebook. On a été de lui faire comme ça sur Facebook. Aujourd'hui, que c'est sucré, il doit venir faire vos pubs gratuitement. Vous préservez vos familles. On ne doit pas insulter vos familles. Non, on ne doit pas insulter vos maris. On ne doit pas insulter. On ne doit pas.
Mais vous voulez venir bénéficier quand on a fini de nous insulter. J'aime beaucoup DJ Gérabin. C'est mon acteur préféré. Mais comme c'est une affaire de business, si on me paye, je fais la pub, non, maman. Je fais la pub jusqu'à. Juste, on me suit, non. Je suis suivi par beaucoup de gens à Houston. Beaucoup. Les gens m'appellent tous les jours. Oh, je suis une Camerounaise de Houston. Même les gens que je ne connaissais pas. Oh, je suis une Camerounaise de Houston. Pardon, va déposer la nourriture chez ma mère. Pardon. Les gens m'appellent tous les jours. D'aller déposer la nourriture. Donc, Houston me suit bien. La Black Beauty est là. Notre Black Beauty est là. Est-ce que la Black Beauty est même là? Olivier Tété, c'est comment mon chéri Olivier Tété? On dirait un beau tableau. Oh, merci à toi Olivier, merci. Ok, vraiment, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé dans le live. Nous avons eu presque 14 000 étoiles ce soir. Je vous dis grandement merci. 14 000 étoiles pour le soutien. Je vous dis merci. Sans vous, je ne suis rien. N'écoutez pas les gens qui bavardent beaucoup là. La team de USA. Nous sommes une team, nous sommes là. Ok? Je suis fan de Flo, elle se refuse. Je suis fan de Flo, non. Pas le problème. Flo, c'est une Camerounaise. Il a dit que la seule personne qui peut me challenger, que en dehors du blogging, dans la vie réelle, la seule personne. Merci, ma belle. Merci. Tu aimes la vue là? Une belle vue, non? La seule personne qui peut parler sur Facebook, j'écoute, ok? Qui est le niac? C'est Flo. Ok? Voilà. Parmi tous ces gentra, tous ces vendeuses de piments de Mbengla, celle qui peut parler un peu, je dis que c'est Flo. Je l'ai toujours dit. Ça n'a rien à voir. Même quand je soutenais Lolo, je l'ai toujours dit. Ok? C'est ça. C'est Flo. Impartialité parfaite. Bonsoir, mes soeurs. Menge, Giziou, Lorraine. Bonsoir. C'est quelle Lorraine? Lorraine Menge. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir à toi. Darlene Clean, pardon ma Dorcas. Non, on doit dire la vérité. Flo est quand même. Flo est quand même, vous voyez. Et Flo me soutient. Laissez ce qu'on dit que fonfonfon là. Mais il y a un mot jusqu'à. Et dans mes lives, c'est une mandon japap. Jusqu'à. Mais toi, souvent sorti là, fait le. Un jet là pour faire plaisir à sa yam soeur. Pour que tu aies trop de pleurs, non? Elle est obligée de venir parfois. Baisser un peu l'enfant pour que l'enfant ne pleure pas. J'ai vu notre tata Lolo l'autre jour faire un live là où elle a dit que pardon Flo, hein? mais Lolo Mania, il veut te rencontrer même si c'est n'importe où pour qu'il touche seulement tes pieds. Et vraiment, quand je pense que c'est Lolo, ouais. Merci Corinne. Merci, oh Corinne, merci maman. Quand je vois les gens parler, Lolo, je vais te dire ça et ça ne chauffe pas. Ce que tu as fait là, que tu te rabaisse tous les jours. Bonsoir papa. N'est-ce pas? Ah bon? Bonsoir. Tu es venu chez la maman? Ah, ça m'a depuis, c'est 13 ans. C'est toi qu'on n'a pas vu. Ah bon? Hein? Ici, là, oui. Toi que j'étais à l'intérieur.
Non, mais tu devais comprendre avant. On avait vraiment. Vous avez beaucoup. À 15h. Non, à midi 30. Non, j'étais à l'intérieur. J'étais là. Oui, c'est comment, non, maman? La grande, ça va bien. Toute belle. Merci, maman. Merci. Deux jours, tu as mangé. Non, je suis là. Mais je. Ah, ça, le tout pour lui. Bien sûr, t'as bien l'air. Mais. Tu n'es pas mort, pardon. T'as quel âge? Je sais. En tout cas, j'ai les Japonais. En tout cas, j'ai les Japonais. On va faire comment? Maman, non, pas. Vous partez déjà. Demain, non. Ok, maman, la poussière, oh. La poussière. C'est ça que tu vois, on vient déjà par épisode. Je suis sorti là tout à l'heure. J'ai vu tout un côté où c'est quel ministre, où c'est quel général. Oui, oui, ils ont barré la route. Oui, oui, c'est mon frère. C'est le ministre des travaux, il est venu vérifier les travaux. C'est maman, et quand la poussière, maman, quand il partait, moi, quand il venait, j'étais en train de sortir. Et quand je rentrais, on nous a encore barré au niveau de. Où c'était de 14 là, comme c'est l'antenne. Je dis, la voiture était la poussière. Je ne sais pas si le chauffeur, tu sais, Yabassi, je ne sais pas si le chauffeur voyait même encore. Je suis resté comme ça, dit que les gens si. Ils ont Seigneur, arrosé à cause de lui, comme tu vois là. J'ai dit, Seigneur, les gens si. Quand il rentre, il est lavé de poussière comme ça là. Est-ce qu'il a pitié du reste des Camerounais qui boivent la poussière là tous les jours? Comme il est passé, ils auront pitié. Parce ils n'ont pas pitié, cause, dis donc. Même qu'à cause de l'université là, ils vont faire. Parce que ils n'ont pas pitié. J'ai dit que la voiture était comment? Quand ils venaient, la voiture était propre au retour. J'ai dit que est-ce que les gens se rendent compte que les Camerounais boivent cette poussière là tous les jours. Il y a un qui nous a dit qu'ils savent qu'ils ont moins 15 kilos au quotidien. Donc, ouais. Ils sont même d'habitude. Ils viennent là, on bloque même les Camerounais sur place pour que les Camerounais doivent boire bien. Jusqu'à mon mari a voulu doubler comme ça là. Et les nièces sont venues se passer. Dit, oh, tu veux un incident? Tu veux nous causer un incident? J'ai regardé celui qui dit qu'il veut causer un incident. Les Camerounais ont les vrais problèmes. Tu t'es inscrit, non? Sur les listes. Non, les gens doivent aller s'inscrire, dis donc. Sur les listes électorales. Les gens doivent aller s'inscrire. Les Camerounais ont les vrais problèmes. Les gens ont les vrais problèmes, dis donc. Oui. Maman? Oui, Mathia? Oui. Attends, t'écris ça, attends, t'écris. C'est nous qu'on refuse souvent à cause d'amour. La mère, c'était pour me dire que tu vas rester. Onke. Ok. Yanné. Papa. Il ne faut pas seulement oublier. Je ne peux pas oublier. 200, je dois 200. Je ne peux pas oublier. Moi, j'ai écrit, tu as vu, ma. Pardon, tu arrives là-bas, tu m'appelles, maman, sur vidéo. Je te montre les couleurs que je veux. Pardon, dis-lui alors que qu'elle arrive là-bas, il m'appelle, que lui montre les couleurs qu'il veut. Pardon, maman. Je ne veux pas qu'elle me choisisse les couleurs Mbrakata. Il dit que je paye son bon travail. Hein, maman? Bon. On va couper. Quand Marthe, vous savez que vous avez votre page.